Je me suis excusé, non? Et en plus, papa m'a mis à punir. Qu'est-ce que tu veux encore? Aide-moi, non? Bon, ok, ça va. Le problème aussi, c'est qu'on t'a demandé de faire une connerie pour que papa te chasse, pas pour qu'il te tue. C'était la panique du moment. Toi-même, tu sais que je suis bête. Je ne suis pas doué pour réfléchir. Tu vas te débrouiller. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu ne dois pas être suicidaire. Tu sais ce que ça veut dire, rassure-moi. Et ça veut dire que quoi, maman? Moi, regardez dans le dictionnaire. Maman, l'autre. J'ai dit à Fabi, ça quoi que bien viable que tu as porté comme ça? Et dégage. même un garçon s'habille mieux que toi. Porte ta pompe. Junior, il est dans sa chambre. Junior! Junior! Salut papa! C'est quoi ça encore, Junior? C'est comme ça que tu as décidé de me tuer? Papa, nous sommes au temps moderne. Chacun s'assume. Et moi, je l'ai fait. Je me suis assumé. Il a enfin assumé sa folie. Hé, hey, tchut, pas la folie, ma belle. L'acceptement. Acceptation, crétin. Oh là là, je préfère le terme crétine. Et en plus, j'ai décidé de m'accepter telle que je suis. Je vais te montrer comment une femme, une vraie, doit s'habiller. Pas les lolettes. Tu es femme. Mais oui. Tu es femme. Mais oui. Va te changer. Mais t'es malade, toi. Je compte jusqu'à 5. Va te changer. Mais papa, fais quelque chose. Yeah. Mais papa. Mais c'est quoi? Elle compte même jusqu'à 5. Il ne faut pas exagérer dans la vie. Va là-bas. Tu sais quoi, Fabi? Comme tu t'entends avec ton frère là, à partir de maintenant, c'est toi qui vas te charger de faire ces révisions. Je suis fatigué. Mais papa, tu peux pas le faire adopter. Fais quoi?